De retour en direct dans cette matinée de l'info sur Grand Lille TV, nous sommes le mercredi 28 mai, il est tout juste 7h passées de 30 minutes, bon réveil et bon appétit et si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie, et bon courage également si vous partez et travaillez. Alors pour l'inforoute et la météo, c'est juste après le journal, voici tout de suite en image et en 7 minutes cette nouvelle édition ce matin. Et on ouvre tout d'abord ce journal avec la mobilisation des habitants de l'Isle-et-Lanois contre l'installation d'une antenne de relais téléphonique. Le projet a été validé par la mairie il y a déjà plusieurs mois car il respecte toutes les normes de sécurité, notamment en termes de distance minimale aux habitations, mais les riverains s'inquiètent tout de même des possibles effets néfastes sur l'organisme, particulièrement pour ce qui est des enfants. L'antenne devant être installée en effet à 120 mètres d'une école, mais là encore, la distance réglementaire étant d'au moins 100 mètres, il n'y a rien d'illégal. Et c'est d'ailleurs ce qu'a signifié le tribunal administratif de Lille en janvier dernier, en rejetant l'un des recours déposés par les habitants. Regroupés désormais en collectif et avec une pétition de 700 signatures, les riverains poursuivent malgré tout leur action et souhaitent interpeller désormais les élus communautaires et de la région. Écoutez les explications de la porte-parole de ce collectif hier soir à l'Isle-et-Lanois lors d'une réunion d'information au micro d'Edil Gunaï. C'est une antenne 4G, donc c'est plus 50 fois plus puissant qu'une antenne 3G. Et il n'y a aucun obstacle entre le pylône de 25 mètres et la cour de récréation. Les parents vont pouvoir voir l'antenne depuis la cour. Et donc on est inquiet pour les enfants parce qu'effectivement ils ont une boîte crânienne qui est plus perméable et qui reçoit plus les champs électromagnétiques. Et donc nous avons peur que certains enfants soient électrosensibles aux champs magnétiques. Donc qui ressentent des migraines, des maux de tête ou des brûlures. Autre information à la une de l'actualité et en image, ce bras de fer engagé par un salarié de Heineken à Mons-en-Barœul. Depuis plusieurs jours déjà, David Parisier est en grève de la faim devant l'entrée de l'usine. Il y a même planté sa tente et campe là depuis plus d'une semaine. Cariste intérimaire depuis près de 7 ans, il demande un emploi en CDI et pourtant la direction lui en a déjà proposé deux, mais il les a refusés en expliquant qu'il ne s'agissait selon lui de nouveau que d'emplois en intérim déguisé. Heineken recrute actuellement sur une trentaine de postes, mais David ne figure pas sur la liste car il n'aurait pas les compétences requises selon la direction. En attendant, David Parisi en est à 9 jours de grève de la faim et les discussions semblent plus que jamais dans l'impasse. Toujours en bref, dans ce journal, le rectorat de Lille a confirmé hier l'information parue en début de semaine dans la Voie du Nord. La proviseure du lycée Delaunay à l'Homme est actuellement suspendue de ses fonctions. Une mesure temporaire prise depuis le 20 mai dernier, mais le rectorat n'a pas précisé les raisons de cette suspension hier, expliquant simplement qu'une enquête interne était en cours. Dans ce journal également, on part à la rencontre des jeunes en service civique avec l'association Unicité. Et toute l'année, plusieurs actions d'intérêt collectif sont menées dans la région avec des jeunes entre 16 et 25 ans et notamment cette opération, une visite à un sourire, un programme de solidarité intergénérationnelle. Ici, Charlotte et Benjamin, deux volontaires, rendent visite chaque semaine à Monsieur Gattier, lourdement handicapé et malvoyant. Durant une heure et demie, donc, ils viennent chez lui, partent en balade et lui apportent un peu de compagnie. Un lien tout simple entre deux générations, car même si quelques dizaines d'années les séparent, ils trouvent toujours de quoi parler et s'occuper. Et une certaine amitié s'est créée au fil des visites. Le recrutement est en cours, hein, d'ailleurs, pour l'année prochaine chez Unicité. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet si vous êtes intéressé et en écoutant les explications du principal intéressé hier au micro de Macha Grenessen. Il y a des discussions, des points d'action communs, ouais. Donc on arrive toujours à trouver le moyen. Évidemment, je ne vais pas leur parler de la guerre d'Algérie, hein, surtout que je ne l'ai pas vécu. Alors, malheureusement, je suis plutôt un boulet qu'autre chose, donc je ne peux pas prendre l'initiative, comme on le disait il y a 5 minutes. Donc je suis mouvement. Alors, la toute première école régionale pour les déficients visuels vient de subir une totale rénovation, ouverte il y a 40 ans en 1974. Cette structure accueille près de 200 élèves du primaire au lycée professionnel, avec tous les outils nécessaires et adaptés à l'enseignement des malvoyants. C'est le conseil régional qui a décidé de cette rénovation, qui aura duré 2 ans pour offrir notamment à l'école un équipement sportif et un jardin digne de ce nom, mais aussi et surtout des plateaux de formation adaptés pour des CAP en restauration, en enseignement tertiaire,
tertiaire sanitaire et sociale et aussi pour l'accord de Piano. Un internat d'une centaine de lits et un centre d'action médico-sociale précoce ont également vu le jour pour ce qui est aujourd'hui un équipement en deux pointes pour l'accueil des déficients visuels. Macha Grunessen s'est rendue sur place hier pour l'inauguration et a rencontré la directrice de cette structure. C'est l'école Ignace Pleyel, l'établissement régional d'enseignement adapté, qui accueille en majorité des élèves déficients visuels. Mais nous accueillons aussi d'autres élèves, des élèves qui ne sont pas du tout en situation de handicap. Et l'idée de l'école inclusive à l'envers, entre guillemets, hein, je dirais, c'est non pas les élèves en situation de handicap qui auraient des inclusions dans les établissements extérieurs, mais plutôt nous faisons venir des élèves qui ne sont pas en situation de handicap chez nous. Et puis on termine avec le sport, le tennis de table. Et hier, le CP Lys a concédé le match nul à domicile, 3-3 à Metz lors de l'avant-dernière journée du championnat. Mais c'est un bon résultat tout de même, car le deuxième du classement, le Kremlin Bicêtre, a également fait match nul. Les Lissoises gardent donc la tête avec un point d'avance sur cette équipe parisienne qu'elles affronteront d'ailleurs lundi prochain pour la dernière journée du championnat. Une finale décisive pour peut-être un nouveau titre de championne de France pour le CP Lys Lille Métropole. 7h36 en direct sur Grand Lille TV dans un instant, à suivre les prévisions météo réactualisées ainsi que l'infotrafic en temps réel. Très bonne journée à toutes et à tous.